Faites, s'il vous plaît. Il y a plus de soucis. Ok. Bon, nous allons faire un mois d'abord uniquement à chanter à l'unisson. C'est-à-dire, on va apprendre à chanter ensemble, à chanter en écoutant celui qui chante à côté de soi, à chanter en se rassurant qu'on n'est pas en train de chanter plus fort que ce qu'il nous faut. Parce que c'est déjà ça la première leçon pour s'éviter de dégamer. Il faut savoir écouter et être sûr qu'on reproduit, qu'on accompagne à la perfection ce qu'on écoute. Parce que souvent, on peut être en train de faire une activité, on lance une musique qu'on aime, et pendant qu'on a la musique, bon, c'est sa propre voix qu'on veut tellement écouter, résonner dans la maison. Et tellement on veut s'écouter, on se retrouve en train de dégamer sans savoir qu'on est en train de dégamer. Donc pendant tout le premier mois, on va chanter essentiellement à l'unisson. Quand je dis à l'unisson, c'est pour dire qu'il n'y aura pas les harmonies. Donc tout le monde va chanter la première voix de toutes les chansons qu'on va faire. Et on va apprendre à chanter en s'écoutant en douceur. Bon, au deuxième mois, on va entamer le chant polyphonique, donc l'harmonie. Si les la première voix des filles chante comme ça, la deuxième chante ici, les garçons chantent comme ça, ainsi de suite. Apprendre à chanter aussi en écoutant à côté de soi quelqu'un qui chante différemment, mais la même chose. Tout en restant soi-même sur ce qu'on s'est donné comme ligne, et sans se faire influencer par l'autre. Donc ça, c'est pendant le deuxième mois. Et pendant le... J'ai tout un programme. Je crois qu'on a envoyé dans le groupe, mais peut-être c'est aussi... C'est quand même un peu... C'est pas facile à comprendre. Et pendant le troisième mois, donc, on va travailler en mode solo. C'est là où on va beaucoup plus insister sur les individualités de chacun. Mais en principe, dès ce mois quand même, de temps en temps, on va écouter chacun en solo pour essayer de voir comment on peut arranger. Parce que ici, on vient pour être de meilleurs solistes. Donc, on est d'abord déjà tous des solistes, des chants. Mais là, on vient pour être des meilleurs solistes. Bon, à chacune de nos répétitions, on aura pratiquement le même programme. C'est-à-dire, on va commencer par les échauffements. Étirement de quoi? Étirement des muscles qui entrent en jeu lorsqu'on veut chanter. Notamment les muscles de la gorge, les larynx, les pharynx et tout ça. Donc, il faudra d'abord les étirer. Donc, comme un athlète qui va faire du 100 mètres, ou bien même un footballeur, ou bien n'importe qui en allant même voir même un coach sportif, on va d'abord vous dire, bon, étirez-vous d'abord et tout, parce qu'il faut tirer le muscle pour que le muscle... le cerveau enregistre directement le muscle, là, on risque de lui donner de l'exercice tout à l'heure. Donc, on va voir les étirements qu'on fait lorsqu'on veut chanter. Et chaque fois qu'on voudra chanter, on va s'étirer. Et vous allez vous habituer à toujours le faire parce qu'il faudra que ça devienne pour vous une norme. Que chaque fois que je veux aller chanter, dès que je suis déjà positionné pour chanter, je dois d'abord étirer le muscle. Après l'étirement, on va voir l'échauffement du muscle. Donc, dès qu'on a étiré le muscle, maintenant, il faut le chauffer pour qu'il devienne chaud. Quand le muscle est chaud, il est prêt à se faire étirer dans tous les sens. Voilà. Et là, on est capable, on est prêt à pouvoir donner le maximum pour atteindre la performance maximale. Donc, on va s'étirer, on va échauffer le muscle. Et après l'échauffement du muscle, on va souvent travailler un peu de technique de respiration. Et la respiration aussi, c'est très crucial pour un chanteur soliste. Bon, après les respirations, on fera souvent un peu de vocalise. Les vocalises permettent d'entraîner le muscle du chant. Donc, faire travailler les muscles qui sont dans la gorge. Là. Donc, la vocalise, pendant peut-être 20 minutes, on a des exercices où continuellement on chante en changeant les tonalités, en changeant les puissances, en changeant les registres vocaux et autres. Ça fait travailler le muscle. Et une fois que le muscle est travaillé, on pourra donc voir le cours du jour. Voilà. Spécialement pour ce jour-ci, le cours est sur la gestion du souffle. Comme c'est les tout débuts. Bon,
Je vais vous demander à tous de vous lever. On va tout commencer. On va s'étirer. Chacun, on s'étire, on tend les mains, on essaye de chasser la fatigue. Voilà, on a passé une journée assez compliquée. On étire le corps, les pieds et tout. Bon, voilà. D'accord. On chasse la fatigue. D'accord. Bon, maintenant on va essayer d'étirer les muscles du cou. On commence par sa main droite sur la joue droite. D'accord. On pousse du côté gauche jusqu'au bout, jusqu'à le plus loin possible. Chasser. Il faut sentir détendre le cou. Voilà. On revient lentement. La main opposée sur la joue opposée, on chasse dans l'autre sens. Donc, essayez de ne pas tourner le torse. D'accord, on revient. Oui, les deux mains sous le menton, on pousse vers le haut, le plus loin possible. On pousse. On revient lentement. Voilà. Les mains sur la nuque, on descend. Voilà, on revient. Maintenant, on tourne la tête. Chacun dans le sens qu'il veut. Voilà, on essaie de libérer. Délibérer, voilà. Là, nous sommes déjà en train de faire les échauffements. Voilà, on s'arrête. Voilà. Lorsqu'on veut chanter, il faut toujours s'assurer d'avoir le corps chauffé. Oui, il faut avoir le corps chauffé parce que c'est les muscles chauffés qui permettent d'avoir la meilleure performance. Il y a trois paramètres qui entrent dans le chant. Le premier paramètre, c'est l'air. L'air que nous emmagasinons et que nous rejetons. Parce que quand, si j'inspire, en inspirant, on ne peut pas... On n'a qu'un seul son qu'on peut émettre, c'est le en inspirant. Il ne peut pas dire, il ne peut pas formuler une phrase en inspirant. Mais quand on parle, on rejette l'air. Bonsoir. Donc quand on parle, on rejette l'air. On va s'essayer un truc. On va chacun prendre de l'air et puis on va prononcer la phrase quand on a Jésus comme vrai ami, en mettant la main devant sa bouche. Donc, on prend le souffle. Chacun a pris, d'accord. On met la main devant la bouche et on dit, quand on a Jésus comme vrai ami. Voilà, je crois que ça devrait vous permettre de ressentir comment l'air qui sort de votre bouche tape sur la main. Voilà. Ça fait qu'au fur et à mesure qu'on parle, en fait, au fur et à mesure qu'on émet le son, le ventre, le corps se vide de son air et quand il n'y a plus d'air, il faut pouvoir récupérer encore. Voilà. Ça, c'est le premier paramètre pour émettre le son, l'air. Le deuxième paramètre, en fait, c'est le chemin par lequel ça va passer, qui est les cordes vocales. Oui, les cordes vocales sont là, c'est un peu deux choses sous cette forme-ci, et qui se ferment ou bien qui s'ouvrent en fonction de ce que le cerveau lui commande par rapport au son que vous voulez émettre. Le troisième paramètre, maintenant, sera les résonateurs. C'est-à-dire, comment est-ce que je superpose ma bouche, comment est-ce que j'utilise la langue, comment est-ce que je fais intervenir la poitrine pour donner une certaine résonance, le nez. Il y a certaines personnes qui, quand elles parlent, on dit qu'elles nasillent parce qu'il y a un peu d'effets nasaux qui entrent dans la voix. Donc, ça fait partie des résonateurs. Donc, j'ai dit, il y a trois paramètres. Il y a l'air, les cordes vocales. Et il y a les résonateurs. Donc les trois paramètres là, il faut donc savoir les travailler et les déployer pour pouvoir avoir un très beau son. Mais là, c'était les paramètres pour émettre le son. Mais maintenant, si on veut émettre un beau son, là maintenant, il va falloir ajouter le cerveau. C'est-à-dire, il va falloir entraîner le cerveau à chanter, à prendre des belles techniques, des belles manières pour mieux chanter et autres. Parce que là maintenant, c'est le cerveau qui va vous commander la technique
que vous voudrez prendre, que vous pourrez prendre là. Mais maintenant, il faudra que si le cerveau commande, que l'ensemble, si c'est R, corde vocale et résonateur, qu'il soit prêt à obéir au cerveau. C'est un peu comme, disons, un footballeur qui est, ou bien n'importe qui est au terrain de foot. Maintenant, il y a le ballon qui vient d'une certaine manière. Et du coup, dans sa tête, il sait que comme le ballon vient là, je suis censé amortir avec la poitrine. Mais si physiquement, il n'est pas travaillé pour réagir à temps et pour, il peut prendre le ballon sur le front. Vous voyez un peu. Donc le cerveau, lui, va vous dire ce que vous êtes censé faire. Mais il faudrait donc qu'il trouve que votre corps est entraîné pour pouvoir faire ça. C'est-à-dire, je veux chanter peut-être une chanson, je prends un exemple banal, une chanson de Céline Dion. Maintenant, il y a un endroit où quand ça arrive, elle monte terriblement. Mon cerveau a déjà écouté la chanson et mon cerveau sait que je veux chanter la chanson. Mon cerveau va vouloir me commander de toucher la même note. Mais maintenant, si je ne suis pas préparé physiquement, je ne pourrai pas toucher la note. Je vais faire une approximation. Donc, le chanteur doit continuellement travailler ces trois paramètres. La gestion du souffle, les cordes vocales et les résonateurs. Il y a des choses que certains font dans le chant, que lorsqu'on écoute, on sent que c'est une certaine maturité, c'est grâce aux résonateurs. Voilà, donc, on va prendre le temps de, je crois, selon notre programme, d'aller pas à pas sur tous ces paramètres. Les poumons ne peuvent pas contenir plus d'une certaine quantité. Alors, dans le chant, on va prendre l'air plutôt dans le ventre. Parce que le ventre n'a pas, il n'y a rien qui bloque le ventre et le ventre peut aller le plus loin possible. Vous allez aussi voir que pour prendre l'air dans les poumons, il faut vraiment inspirer fort. Inspirer fort pour pouvoir prendre le maximum. Or, pour prendre l'air dans le ventre, vous serez surpris, il faut juste gonfler le ventre. Comme quand on était enfant. Comme là, je gonfle mon ventre et il est déjà plein d'air, c'est tout. Je n'ai pas besoin de faire un mouvement où on va sentir que voilà, j'ai pris l'air. Vous allez remarquer, certains grands chanteurs, quand ils sont vraiment sur scène, vous ne comprenez pas à quel moment ils respirent. C'est parce qu'ils jouent avec le ventre. Ils gonflent simplement. Parce que quand ils gonflent, en fait, il n'y a pas l'air. Il n'y a pas l'air seulement dans les poumons. Il y a l'air un peu partout dans le corps là. Donc dès qu'ils gonflent, en fait, le cerveau commande à l'air là de venir se concentrer dans le ventre. Et maintenant, l'air là commence à sortir par la bouche. Jusqu'à celui qui gère la quantité que ça sort. Et quand il a encore besoin de cet air, il suffit de gonfler et l'air est déjà encore dans le ventre. On va essayer de faire tout cet exercice-là. On va le faire en deux temps. Et je vais souvent faire, quand il dit top, c'est pour dire soyez prêt. Je vais dire top 10. À 10, on a le ventre gonflé. Donc il dit top 10. N'attendez pas d'entendre le 10 avant de gonfler le ventre. En principe, quand vous entendez à top, sachez que ce qui va suivre, c'est que le ventre soit bombé. On ne doit pas ressentir que vous avez pris l'air, mais on doit voir un petit ballon qui est venu au niveau du ventre. On est prêt. Top. Tu ne dois pas faire de bruit pour respirer. Parce que là, on ne respire plus. On ne prend plus l'air par les narines. Même comme on prend quand même un peu. Mais on prend beaucoup plus l'air qui est dans le ventre, donc on ne doit pas entendre respirer. Oui. On va reprendre, on relâche. Relâcher. On y va encore. Top. Voilà. On relâche. Maintenant, on va relâcher en émettant un petit sifflement. On y va. Top. Voilà. On va s'entendre sur un fait. Quand je fais la main, tant que j'ai la main, on tient toujours le souffle. Et puis quand j'ouvre, on lâche. Quand j'ai la main, on tient. Quand j'ouvre, on lâche. On va aller. Top! Voilà. On y va. Top! Top.
suffit pas trop longtemps après qu'on ait lâché. Top. Maintenant, vous allez tirer. Et pendant que vous allez tirer, je vais compter jusqu'à 5. À 5, vous lâchez. On y va. Top. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. On va aller à 5 encore. Top. Non. Il y a des gens qui commencent à lâcher avant le 10. J'ai dit, je dis seulement top. Vous savez que le deuxième temps, c'est pour prendre. En fait, top n'a même pas le schnapp. Donc, il dit top, c'est quand je fais ça que vous gonflez le ventre et au troisième temps, vous lâchez le son. On y va. Top. 1, 2, 3, 4, 5. On va essayer d'aller à 10. Soyez prêts. Top. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On va reprendre et aller à 10. Bon, une chose aussi, quand vous venez chanter, faites l'effort de grignoter au moins quelque chose. Ne venez pas le ventre totalement vide parce que l'air là, ça perturbe le travail de l'air. On va reprendre. On va aller à 10. Top. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bon, quel est le secret pour lâcher le moins d'air possible? C'est de beaucoup serrer ses dents et de sortir le plus petit son possible de l'air. Par exemple, lui, il sort beaucoup le son, ça veut dire qu'il sort beaucoup d'air. Par contre, il peut faire... et aller le plus longtemps possible. Donc, ne cherchez pas forcément à vous faire entendre. Restez beaucoup plus sur la stratégie. La stratégie, c'est quoi? C'est que on veut que vous gardiez le plus d'air possible. Donc, pour que vous gardiez le plus d'air possible, sortez donc le moins d'air possible. Ce qui va impliquer que le son que vous aurez à sortir aura le volume le plus bas possible. Donc, on va aller à 15. On y va. Top. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. On arrête. Mais en même temps, ce n'est pas la concurrence. Chacun fait au niveau où il peut. Oui, il lâche tout bonhomme. Tout le monde n'a pas, je veux dire quoi, la même capacité à conserver le plus d'air possible. Donc même moi-même qui vous entraîne, c'est pas sûr que je peux atteindre 15. Mais pour vous qui vous essayez, faites l'effort d'atteindre le maximum possible. Voilà, ça va vous aider pour tenir les longues notes. On va reprendre, on va aller à 12. 12. On y va. Top 10. 1. 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, on lâche. Voilà. Maintenant, quand on sera en train de sortir l'air, quand je dis stop, on bloque. On arrête et on bloque. Et quand je dis encore 10, on recommence. Donc ça va faire ceci. Je fais seul. Top. Top. 10.
je bloque, je ne sors plus l'air et je ne prends pas l'air. On va y aller. À vous. Top. Stop. 10. On reprend, on va reprendre ça, on y va. Top. 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 D'accord. Bon, pour aujourd'hui, je crois qu'on a assez fait les respirations. On peut s'asseoir. On va essayer de... Voilà. On va essayer de... Donc, regardez, je vous ai envoyé dans le... Ok. On va faire une vocalise sur les voyelles. Donc les voyelles A, E, I, O, U. Par ordre. Donc ça va faire ceci. On y va. On se fait la mesure. Écoutez-moi. Chanter.
laisse mai, novembre ici ou là. Un, deux, à vous. Souviens-toi, et laisse mai, novembre ici ou là. Ici ou là. Ici ou là. Était-ce mai, novembre ici ou là? Était-ce mai, novembre ici ou là? Souviens, chant. Souviens-toi. Était-ce mai, novembre ici ou là? Était-ce un lundi? Était-ce un chant? Était-ce un Était-ce mai, novembre ici ou là? Était-ce un lundi? On va prendre ici ou là? Était-ce un lundi? Ici ou là? Était-ce un lundi? Elle seule. Ici ou là? Était-ce un lundi? Ici, ici ou non, laissez-moi vous lancer, Swan. Let's go. Ici ou là, était-ce un lundi? Je ne me souviens que d'un mur immense. Je ne me souviens que d'un mur immense. Je ne me souviens que d'un mur immense. Ici ou là? Ici ou là? Était-ce un lundi? Je ne me souviens que d'un mur immense. Ici ou là? Était-ce un lundi? Je ne me souviens que d'un mur immense. Je ne me souviens. Non, écoute, je chante d'abord. Je ne me souviens que d'un mur immense. Je ne me souviens que d'un mur immense. On va reprendre au début. Souviens-toi, était-ce mai, novembre ici ou là? Était-ce un lundi? Je ne me souviens que d'un mur immense. Un, deux, souviens-toi, était-ce mai, novembre ici ou là? Était-ce un lundi? Je ne me souviens que d'un mur immense. Mais nous étions ensemble, ensemble. Mais nous étions ensemble, ensemble. Chant. Mais nous étions ensemble, ensemble. Mais nous étions ensemble, ensemble, chant. Mais nous étions ensemble, ensemble. Nous l'avons franchi, nous l'avons franchi. Nous l'avons franchi, nous l'avons franchi. Mais nous étions ensemble, ensemble. Nous l'avons franchi, chant. Mais nous étions ensemble, ensemble, nous l'avons franchi. Lui seul. Mais nous, écoute, mais nous étions ensemble, ensemble, jusque là. Mais nous étions, mais nous étions, mais, ouais. Mais nous étions ensemble, ensemble, go. Mais nous étions, non pas mais, mais c'est différent. Toi, tu vois la différence entre mais, c'est deux noms différents. Mais nous étions ensemble, ensemble.
ensemble. Mais nous étions ensemble. 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 Il y a le chiffre à le sang. Ensemble. Pam pam pam. Ensemble. Pam 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 pam. Pam pam pam. Mais nous étions ensemble. Mais nous étions ensemble. Ensemble. Mais nous étions ensemble. Ensemble. Ne dis pas ensemble. Mais nous étions ensemble. Ensemble. Mais nous étions ensemble. Ensemble. Mais nous étions ensemble, ensemble. Encore. Mais nous étions ensemble, ensemble. Je ne me souviens que d'un mur immense. Mais nous étions ensemble, ensemble. Nous, on y va tous. Souviens-toi, était-ce même novembre ici ou là? Oh,
et, et.